J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la triste disparition de Finn Crainey. Il s'appelle Finn Crainey. Il a 32 ans. Il est enseignant en art de la survie, le fameux bushcraft, dans une petite école qu'il a récemment fondée ici en Écosse avec un ami. Il est originaire de la région de Crane et c'est un youtubeur reconnu et estimé dans sa communauté écossaise. Car il avait lancé en janvier 2021 une chaîne sur YouTube intitulée Wildcat Bushcraft. Il y présentait notamment ses astuces et trucs pour la survie dans ces régions austères et retirées des Highlands, régions et paysages sauvages qu'il adorait par-dessus tout. Il mettait notamment en image sa capacité à construire des endroits sommaires de mise à l'abri par mauvais temps ou période de grand froid. C'était vraiment son truc et sa passion. De façon très curieuse, très inquiétante même, il disparaît le vendredi 25 mars 2022, près du Loch Never, à environ une heure de chez lui, dans les Highlands écossais, sans laisser ni trace ni indice. À l'origine, ce passionné de nature et de grand air, un peu survivaliste, partait faire une courte randonnée. Rien d'anormal pour lui. Il l'avait déjà fait maintes et maintes fois et s'en était toujours bien tiré. Mais cette fois-ci, il ne réapparaîtra pas. Il part seul vers 12h30, ce vendredi 25 mars 2022. Mais il est habitué à randonner en solo. Un jour où il fait très doux sur la région, presque chaud. Il laisse sa voiture sur le parking de Golspy Beach, à 25 km de son point de départ. Il la récupérera plus tard au retour. De là, c'est marche à pied. Ensuite, on sait encore qu'il s'est fait déposer par un proche, sur la route B873, à Atnahara, près de Sutherland. À 12h52, ce vendredi, Lucie, son épouse, âgée de 27 ans, reçoit le tout dernier message téléphonique de la part de Finn. Il sera là dimanche au plus tard pour livrer des bouquets de fleurs de son entreprise pour la fête des mères. Car Lucie est fleuriste et ce dimanche sera un jour de grosse activité. De là, il envisageait de partir à pied à travers la lande et les paysages sauvages et isolés de la région. Il est 14h15. Il envisageait d'arriver le soir à Golspy en ayant fait le tour du lac. Mais plus personne n'aura de nouvelles de sa part. Le téléphone sera coupé et le signal perdu. À 14h37, ce vendredi 25 mars, tout près du village de Lergue, sur l'itinéraire initial. Bien plus tard, Lucie découvrira avec surprise que ses messages postérieurs qui lui avaient été adressés n'étaient pas de lui. Cela ne lui ressemblait pas, pense-t-elle, car il se servait toujours beaucoup de son téléphone. Sans aucune nouvelle de son époux, le soir du dimanche 27 mars 2022, Lucie s'inquiète sérieusement. Elle connaît Finn depuis 13 ans déjà. Ils se sont mariés en août de l'année précédente. Ils ont une petite fille de bientôt 5 ans, Luna. Il est équilibré et a une santé mentale sans faille. En outre, elle est enceinte de leur second enfant, un garçon qu'elle prénommera Bran. Elle est presque à terme et doit accoucher prochainement. Alors, malgré la fatigue et la gêne qu'elle rencontre, vu son état de grossesse avancé, elle a travaillé seule ce jour, ce qui était déjà anormal. Finn l'aidait toujours en cas de pic d'activité, et surtout dans son état. Dès le lundi matin, Lucie prend donc les choses en main, commence seule ses recherches, appelle l'école où il doit travailler et enseigner à des enfants. Mais là aussi, rien. Il n'a pas été vu. Les enfants ont été renvoyés et occupés à faire d'autres activités.
Alors, elle prévient les forces de police locales. Elle donne sa description physique détaillée, la façon dont il était vêtu, t-shirt noir et veste en cuir marron, bottes et inventorie ce qu'il avait emporté dans son sac à dos, vert pour sa randonnée de 3 jours. Notamment une caméra et son téléphone pour filmer. Il est reconnaissable notamment par ses longs cheveux bruns coulant jusqu'en bas du dos et sa barbe brune, elle aussi bien visible car bien fournie. Une enquête est ouverte. Toutes les pistes sont étudiées. Des recherches sont entreprises, 4 semaines durant, par la police et diverses administrations, comme les gardes forestiers, les gardes-côtes, une unité aérienne, mais aucun indice, aucune trace, aucun élément concret ne sont découverts. Pour tous ceux qui le cherchent, même des mois après, des questions affluent vite. Se serait-il perdu malgré sa bonne connaissance des circuits de randonnée? Se serait-il blessé et n'aurait reçu aucun secours? Aurait-il, sait-on jamais, disparu volontairement pour refaire sa vie autrement et ailleurs? Dans la continuité de ces recherches, des appels à témoins sont lancés. Une campagne d'affichage est menée par Lucie et la famille de Finn. Des recherches personnelles sont entreprises partout dans la région. On fait et on refait l'itinéraire qu'il était supposé emprunter. Mais rien, aucune trace. C'est à croire qu'il s'est littéralement volatilisé. Le téléphone, la carte bancaire, la voiture, tout est resté en l'état, du jour de sa disparition. En février 2023, soit près de 10 mois après sa disparition mystérieuse, son épouse Lucie console toujours sa petite fille de 5 ans, qui cherche son papa avec l'énergie du désespoir, en assurant que son papa est parti en aventure et elle ne sait pas quand il rentrera. Ils essaient d'avoir des réponses, mais il n'y a guère de réponses, hélas, même si elle pense qu'on ne disparaît pas comme cela de la surface de la Terre. Un seul indice, fragile, vient finalement enrichir l'enquête qui en était au point mort depuis des mois. Des motards en balade ce jour-là disent avoir aperçu Finn ce jour-là vers 15h45 à 5 km de son point de dépose. Ils le décrivent heureux et joyeux. Mais cette piste non plus ne mène pour l'instant à rien. À ce jour, mais les faits finalement sont très récents. Finn Crenay n'a pas été retrouvé. Ni son corps, ni tout ou partie de ses affaires, ni son téléphone personnel n'ont pu être localisés. Pas d'autres traces de vie non plus. Sa chaîne YouTube est désespérément éteinte et s'est arrêtée le 25 mars 2022. Les services de police se montrent désormais pessimistes, car la région est immense, touffue, recouverte de landes et de forêts, avec de nombreux lacs, tourbières, massifs rocheux, escarpés, taillis et buissons inextricables. Mais Lucie et le reste de la famille, eux, gardent toujours encore un espoir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur que Finn un jour sera retrouvé. Je souhaite énormément de courage à sa famille. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse la vidéo de Finn juste avant sa disparition. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Thank you.
Thank you.